Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'avais pas prévu de la filmer dans cet état-là parce que je suis malade, mais je veux quand même vous la partager puisque c'est les achats que j'ai pu faire à l'occasion des Black Friday et des promotions. J'avais envie de vous partager ce que j'ai pris. J'ai pas fait beaucoup d'achats, j'ai fait quand même beaucoup de new skin, mais j'ai fait aussi une commande look fantastique. Donc on démarre de suite et je vous montre ça. Ne faites pas attention si je parle un petit peu du nez, c'est normal. En tout cas, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous êtes là. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, ça m'encouragera. Et puis, on y va de suite. J'ai quand même essayé de m'arranger un petit peu la tête pour pas avoir le nez tout rouge parce que je passe mon temps à me moucher. On va démarrer par ce que j'ai pris chez Look Fantastic. Et puis après, je ferai les commandes New Skin parce que j'en ai fait deux différentes. Donc, j'ai vraiment des gros colis. Qu'est-ce que j'ai pris? En fait, j'ai pas pris grand-chose côté make-up. Hein. Vous savez que je fais quand même attention. J'ai pris deux choses chez Look Fantastic. C'est deux coffrets. Le premier, vous le voyez à ma droite, c'est un coffret de la marque By Terry avec les CC Sérums, les Brightening CC Sérums. Je vous en ai déjà parlé assez souvent puisqu'il fait vraiment partie de mon favori, notamment celui-là. En fait, c'est trois formats voyage, mais quand vous savez le prix que ça coûte, c'est bien d'investir sur des formats voyage. Le grand format, on est au-delà des 60 euros. Hein. Donc là, il y avait une promotion, c'est-à-dire que j'ai eu le coffret pour un peu plus de 30 euros, 34 euros je crois, ça valait le coup. Et dedans, l'avantage, c'est que j'ai trois teintes. Il y a celle que je connais très bien, qui est vraiment la teinte la plus foncée dans ce Brightening CC Serum, c'est la teinte Sunny Flash. J'ai pas une peau très foncée, hein, je suis plutôt clair, médium, on va dire, mais même la teinte la plus foncée de ces CC Serums, j'en mets juste une toute petite pression et je viens la diffuser sur tout le visage. Il en faut pas beaucoup, vous pouvez l'utiliser de deux façons, soit seul, soit en mélangeant avec même votre crème de jour ou votre fond de teint. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai mis un tout petit peu dans mon fond de teint Pierre Rico, que j'aime beaucoup, le sérum de teint. Ce qu'il y a de bien dans ce produit, c'est que vraiment ça vous donne un éclat, un effet lumineux, naturel, et ça vous lisse les traits. C'est juste excellent comme produit. C'est vraiment, on sent le mélange du soin et du maquillage, et le côté soin est vraiment très, très efficace. Voilà, ça vous hydrate, ça vous lisse. Donc moi, c'est ce que j'aime bien, vous savez. Voilà, donc ça, je pense que c'était un coffret qui était sorti pour les fêtes de l'année dernière. Donc ça doit faire à peu près un an. Vous pouvez le conserver 15 mois. Et donc, j'étais très curieuse de tester les autres teintes. Et j'en ai deux autres. J'ai donc la numéro 2, le rose élixir, qui est celui-là. Donc, parmi les plus clairs. Voilà, pour le rose élixir. Donc, on va voir ce que ça donne, d'ailleurs, sur la main. Assez curieuse. Donc, ce sont des flacons pompe, comme ça, de 10 ml, je pense. Je vais vous dire ce qu'ils nous en disent. Donc, édition collector des trois teintes best-seller du Brightening CC Serum pour une peau lissée, unifiée, instantanément lumineuse. C'est tout ce que je vous ai dit. Hein. Enrichie en cellules natives de rose blanche, prisme lumi réfléchissant et microsphère soft focus, ce soin sérum correction couleur illumine toutes les carnations pour un fini naturel sans couvrance ni effet de matière. Le rose élixir, c'est celui-ci, le numéro 2. Partenaire particulier des teints de rose, il dégrise les peaux ternes, lève le voile sombre des mines fatiguées, rajeunit les visages marqués. Donc voilà, quand vous êtes fatigué, vous utilisez ça. Mais j'en ai mis un petit peu trop. Donc vous voyez, ça a vraiment ce... Ah ben on le voit même sur la main. Ce côté lumineux, glowy. Très naturel. Ça sent évidemment la rose, hein, toute cette ces produits By Terry, c'est dans la gamme à la rose. Mais vraiment, la texture est tellement fine, tellement fondante. C'est super agréable à appliquer. Donc, j'avais eu un coup de cœur sur le Sunny Flash. Je vais donc pouvoir tester la teinte Rose Elixir et la teinte Apricot Glow, qui est plus médium, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'Apricot Glow? Entre éclat pulpeux et rayonnement fruité, c'est l'embellisseur universel des teints clairs à métisser et le secret des nudes sexy à tout âge. Donc, je pense que c'est vraiment la teinte qui conviendra, on va dire, à le plus de carnation possible. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu plus jaune, orangé. Il y a un éclat qui... Alors sur la main, c'est pas évident de vous montrer. Il y a un éclat qui arrive. C'est très naturel, hein, c'est pas pailleté. C'est légèrement iridescent, si ça peut se dire comme ça. Mais en tout cas, c'est des produits que j'aime beaucoup, qui sont fins. Donc je trouvais que ce petit coffret-là, c'était une super idée. Donc ça, c'est pour moi. Alors, le deuxième coffret que j'ai pris, c'est pareil, c'était vraiment imbattable au niveau du tarif. Alors, j'ai enlevé l'emballage extérieur. C'est une petite pochette en plastique recyclé, fait avec des bouteilles. Et vous allez le voir ici, c'est une marque dont je vous ai parlé
il y a longtemps et dont je vous parle quand même régulièrement, c'est la marque Nudestix, qui est une marque de make-up hein, principalement. Je crois qu'ils font des soins maintenant. Et j'avais fait un focus marque d'ailleurs il y a très longtemps, il y a bien 2 ans sur la chaîne. J'aime beaucoup moi les formes astiques, comme je vous dis, c'est très naturel, ça marque pas, vous fondez ça au doigt, c'est rapide le matin. Donc pour moi, c'est imbattable. Et ce coffret, c'était 20€ au lieu des 70 ou 80€, puisque c'est une pochette, donc vous aviez 5 produits dedans. Sachant, en fait, j'ai rentabilisé puisque... Voilà, j'ai pris, c'est des nudies, j'aime beaucoup ces sticks visage, moi je les utilise en blush, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les lèvres. Donc c'est la teinte Bohemian Rose. Donc quand je vous dis que c'est des produits que j'adore, hein, j'en ai déjà 3 dans ma petite coiffeuse, j'en ai un qui est vraiment un que j'utilise en tant que bronzer, j'aime beaucoup aussi les bronzers en stick. Il y a le In The Nude qui est le blush stick parfait nude, et j'avais le Body Language qui est un peu plus rosé, qui me fait penser du coup un petit peu à celui-là, qui est le Bohemian Rose. Ça se présente comme ça. Donc là, c'est un Nudies Bloom. En fait, les autres que j'ai, c'est des mats. Je pense que celui-là, il est pas mat, il doit être lumineux. Donc je vais le mettre ici. Sur l'autre embout, je vous l'ai pas montré, mais vous avez un petit pinceau comme ça, un peu kabuki. Moi, je les utilise peu, mais ils sont quand même pas mal. Donc voilà la teinte du blush Bohemian Rose. C'est assez crémeux. Alors c'est vrai que pour le coup, j'avais pas fait attention, celui-là n'a pas cet effet mat, donc peut-être plus en été, puisque j'aime bien moi quand même les blushs crème à effet mat. Mais après, vous voyez, ça se travaille bien, ça se fond bien. C'est vraiment très sympa au niveau du rendu. Donc vous avez ce produit-là, donc il y a déjà une valeur de plus de 20€, donc j'ai rentabilisé ma petite trousse. Et donc en fait, c'est le kit Heaven. Voilà, on est sur des couleurs ciel et terre. Inspiré de ciel barbapapa, de coucher de soleil paradisiaque et de la force de la nature et de l'humanité pour toujours renouveler et rééquilibrer. Conçu pour capturer la beauté d'arc-en-ciel après des tempêtes menaçantes, de levées de soleil dorées après des couchers de soleil sombres et d'herbes sauvages qui refleurissent notre avenir. Notre palette ciel et terre est une collection de pastels doux pour les yeux et un fard à jour rose pour un visage frais qui inspire l'art, la beauté, le bonheur, l'énergie positive et la gratitude pour mère nature. Donc Hailey and Taylor sont 2 sœurs, je crois, qui ont créé cette marque. Et donc le reste de du set, on retrouve 3 crayons. C'est des crayons jumbo, on va dire, pour les yeux. Moi, j'en ai déjà toute une collection hein, de ces crayons Nudestix. Par contre, j'avais pas du tout de couleurs comme ça, violet ou parme. Donc ce sont les Magnetic Matte Eye Color. Je vais vous les swatcher rapidement. Je pense qu'il est peut-être toujours disponible au tarif dont je vous ai parlé sur Look Fantastic. Moi en plus, alors je commande très régulièrement. Je commande assez souvent chez Look Fantastic. Et quand il y a des promos, j'utilise aussi le code promo de Laura de la chaîne Low Dose Makeup. Donc ça me fait un discount en plus très intéressant. Ne l'oubliez pas ce petit discount. Et donc voilà, par contre ce sont des crayons à tailler. Donc vous avez un joli violet. Vous pouvez les utiliser donc sur la paupière. Ils sont extrêmement bien pigmentés et ils ont une super tenue. Donc sur la paupière, même en ras de cils inférieur, ça peut être très joli cette teinte-là. Moi j'aime beaucoup. Ensuite on a un qui est un petit peu plus bleu pastel. Donc ça, pour l'été, ça va vraiment être des couleurs très très chouettes. Et le dernier qui est plus neutre, qui est un genre de gris vert. Je ne sais pas si vous voyez la pigmentation, j'ai à peine passé. La texture est juste parfaite et leur tenue est dingue. Donc j'aime beaucoup ces crayons. Donc les 3 crayons, le stick blush. Et en plus, pour 20€ tout ça, ça veut dire que j'ai 6 produits pour 20€. C'est moins de 5€ le produit. Et ensuite, j'ai les magnétiques Plush Paint, donc les gels magnétiques couleur velours. Donc ça, c'est des produits que j'ai jamais testés chez Nudestix. Alors, je pense que ça peut s'appliquer sur les yeux. Ils disent que c'est même pour le visage. On va regarder. Donc, j'ai la teinte ici Love Cloud. Moi, ça, je le vois bien sur les lèvres. C'est très doux à l'application. Je l'ai mis juste au-dessus, voilà, ici, vous voyez, c'est un petit, ici, un petit parme assez froid. Alors c'est plus lumineux hein, que les crayons, là on n'est pas sur du mat, mais on est sur un effet un peu velours, effectivement, à l'application. Et alors l'autre, c'est la teinte Sweet Peach. C'est un pêche quand même assez intense et assez froid. J'ai du mal à voir trop comment je vais l'utiliser. Sur les yeux, pourquoi pas. Ça a l'air de faire une jolie base aussi. Donc voilà pour le kit de la marque Nudestix, Heaven and Earth Kit, entre ciel et terre. Donc je trouve que ça peut faire un petit cadeau sympa parce que franchement on a quand même 6 produits full size dans cette petite trousse pour 20€, moi je dis oui. Et puis c'est une jolie marque Nudestix, hein. Foncez la voir. Allez, je passe à ma partie préférée, le skincare. Ah non, j'ai oublié.
J'ai pris des brosses aussi sur Look Fantastic. Mes brosses favorites, les Wet Brush. Je les trouvais plus. Et là, j'ai vu que sur Look Fantastic, il y en avait plein. Bon, une dizaine d'euros chaque brosse. Donc, j'ai pris la classique, l'originale d'Etangler. Bon, on voit ici les petits picots. Vous savez, c'est vraiment un mélange de picots qui fait que ça vous casse pas le cheveu. 45% de casse en moins, ça démêle bien. 100% de cheveux happy. Donc là, j'ai pris un design très marbré, très sympa. Non, c'est vraiment des brosses que j'adore. Et puis, j'en ai pris une deuxième, mais dans la gamme Pro. Je me suis dit, pourquoi pas tester aussi celle-là. Mais en fait, elles sont un petit peu différentes de celles que j'ai. Vous voyez, les picots sont vraiment très souples. Et là, bon, bah, la gamme gris et la gamme Pro, a priori, c'est que le manche est un peu grippé, on va dire, pour le tenir. Et j'ai pris une couleur... un beau rose violet. Voilà pour ces deux petites brosses Wet Brush que j'ai commandées sur Look Fantastic. Dites-moi si vous connaissez ces brosses, si vous êtes adepte aussi comme moi. Vous pouvez les utiliser sur cheveux mouillés, ça passe bien. Côté skincare, j'ai fait donc deux commandes. J'ai fait ma commande Black Friday New Skin. Donc je vous montre très très vite ce que j'ai pris. Parce qu'il y a des choses qui sont pas pour moi, donc on va éviter de faire trop de teasing. La technologie à moins 50%, le boost. Donc forcément, à moins 50. Non, je m'emballe. À moins 40. À moins 40%, ça valait trop le coup. Donc avec le sérum, hein, ça vient en kit comme ça. Le boost, c'est quoi? Je vais pas vous le sortir de la boîte, mais je vous ai fait une vidéo dédiée où je vous le présente. Je vais vous l'accrocher ici si ça vous intéresse. C'est un appareil, un petit appareil, donc très facile à prendre en main et très simple d'utilisation. 2 minutes chaque matin, ça vous permet d'appliquer ce sérum illuminateur éclaircissant le matin. Et c'est une technologie qui fonctionne à micro-courant, à impulsion variable, ce qui permet de faire pénétrer votre sérum beaucoup plus profondément que si vous l'appliquez en surface avec votre main. C'est vraiment génial ce genre de produit, hein. Franchement c'est un investissement au moment de l'achat, et encore que là c'est un investissement plutôt raisonnable. Vous apportez à la maison des soins et des technologies que vous allez retrouver normalement dans un spa ou dans un institut de beauté. Je regrette pas du tout, et j'aime beaucoup les appareils comme ça anti-âge. Donc le sérum, qu'est-ce qu'il fait? Il vous hydrate. Il vous donne de l'éclat, il y a du citron caviar dedans, il y a plein d'ingrédients. Je crois qu'il y a aussi des extraits de fruits qui vont avoir ce côté exfoliant. Donc ça travaille sur l'éclat de votre peau, ça travaille aussi sur les ridules. Et ça va effectivement corriger, réduire vos taches pigmentaires. Donc voilà, un combo un peu indispensable quand même dans une bonne routine, passé un certain âge. Ensuite, j'ai pris deux produits de la gamme Nutricentials, avec mon sublime accent. C'est une gamme dont je vous parle très régulièrement. Franchement, dans ma salle de bain... je crois qu'elle a pris la place de 80%, 90% de mes produits skincare, parce que je les aime tout simplement. Ils sont bons, ils sont très sensoriels, ils sont agréables. Franchement, c'est des packaging aussi économiques, donc j'aime beaucoup cette gamme. Et là, j'ai pris le toner exfoliant. Donc Here You Glow Toner, 150 ml. Donc je pense qu'il est operculé, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Voilà. Tous les produits chez New Skin sont hyper bien protégés. Les packagings aussi en général sont recyclables et recyclés. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a évidemment des AHA, des BHA, des PHA, donc qui vont éliminer toutes les cellules mortes. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez travailler l'éclat de votre peau. Même si vous avez des imperfections, ça va vous aider au renouvellement cellulaire et à éliminer plus vite les imperfections. Donc moi, je recommande d'avoir dans votre routine un toner exfoliant, sauf si vous avez une peau extrêmement sensible à tester. Mais sinon, c'est très efficace. Et donc, toujours dans cette gamme Nutricentials, la crème Dew All Day. Donc c'est une crème hydratante en format pot de 75 ml. Donc c'est-à-dire que c'est un format quand même assez énorme pour une crème. Vous pouvez l'utiliser matin et soir. C'est mixte, c'est-à-dire monsieur peut l'utiliser. Ça conviendra à tous les types de peau. C'est l'avantage de cette gamme Nutricentials. Je vous en ai fait aussi une vidéo dédiée il y a un certain temps, donc je vais pas tout répéter, mais elle contient des végétaux bioadaptatifs. Qu'est-ce que c'est des végétaux bioadaptatifs? Ce sont des plantes qui poussent dans des climats ou dans des zones extrêmes, qui ont les propriétés de vivre et de se développer dans des climats arides, des conditions très extrémophiles. Et donc forcément, elles ont aussi des propriétés intéressantes pour votre peau. Donc dans la gamme Nutricentials, chaque produit contient un mélange de plantes bioadaptatives. Ça va aussi permettre à votre peau de s'adapter aux différents climats dans lesquels vous allez circuler de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va vous aider à réguler tout ce qui est changement de température, d'humidité. Bref, ce sont des produits très complets,
très facile d'utilisation. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi la gelée, la Surf Fix, qui a le bouchon violet. Et donc là, pour les périodes un petit peu plus hivernales, et puis on a quand même des températures très très froides en ce moment, la Dual Day me semble bien, et il y a aussi une crème encore plus intense, plus riche, plus crémeuse, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, vous avez trois versions, une version gel, une version médium, qui est celle-ci, et une version très riche. Donc en fonction de ce que vous cherchez et de ce que vous aimez, vous pouvez la sélectionner. Pour terminer donc sur le Black Friday, j'ai pris également les compléments alimentaires du programme TR90. Pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, sur ce programme de gestion de poids qu'on fait normalement sur 3 mois. Je l'ai fait déjà sur 3 mois et j'ai eu de très bons résultats. Ça agit sur votre métabolisme. Il y a deux compléments, c'est pour ça. Il y a le complexe C et le complexe F. En fait, il y a une partie quand même qui va vous aider à maintenir cette motivation ou cette régularisation dans votre alimentation. Donc une alimentation équilibré et ça va vous éviter d'avoir des envies, des fringales de sucré. Vous savez, de temps en temps, on ne sait pas ce qu'on a, on a envie de se jeter sur tous les trucs sucrés du placard et de tout manger d'un coup. Donc ça vous évite ce genre de trucs, surtout le soir. Et puis le complexe F qui va travailler sur le métabolisme. Donc bref, très efficace. Moi j'ai pris juste là de quoi faire un mois en janvier. Ça fait du bien. Donc vous avez des compléments à prendre un quart d'heure avant chaque repas, donc il faut pas les oublier, mais les résultats sont là, ça vous fait une détox, ça va permettre d'éliminer quelques excès aussi, donc c'est à base de plantes, hein, donc n'hésitez pas à aller checker les compléments PharmaNex, ils sont de super bonne qualité. Je passe à la dernière commande du coup que j'ai faite là pour les Magic Days. J'ai reçu un carton énorme. Et les cartons New Skin sont super, je le précise, c'est les cartons que je garde, ils sont quand même assez rigides, costaud, vous pouvez les réutiliser. Moi, je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Dans l'idée aussi de faire des petits cadeaux, j'ai pris un lot de 5 sacs cadeaux New Skin parce que voilà, c'est toujours sympa pour offrir des petits produits à quelqu'un que vous avez envie de faire découvrir la marque à quelqu'un ou de lui faire tout simplement un cadeau. Voilà, j'utilise ça. Après, j'ai aussi pris le grand sac doré, je vais vous le montrer après. Donc pendant les Black Friday, c'est moins 40% et pendant les Magic Days, c'est 20% sur une sélection de produits. Et il y avait le gel Lumispa. À moins 50 pour... Ah, moins 50, je vais pas y arriver. Hein. Prends mes rêves pour des réalités. Donc, le gel Lumispa à moins 20%. Vous savez que c'est un gel nettoyant qui va avec la brosse Lumispa, donc très connu, je vous mets ma vidéo. Mais bon, je pense que vous la connaissez si vous êtes sur les réseaux. Ben moi, j'ai la peau normale à mixte, j'ai même la peau mixte, donc j'ai le gel nettoyant normal combo. J'ai repris ce gel, il est bien avec la brosse, mais il est aussi bien seul. Si vous n'avez pas encore la brosse nettoyante, vous pouvez l'utiliser parce qu'il va vraiment nettoyer, purifier votre peau, donc avec les mains. Hein. Et en même temps, il y a la science Edgelock dont je vous ai parlé, qui traite vraiment les signes du vieillissement à leur source. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est une science qui est brevetée, évidemment, par New Skin, hein, que toutes les marques n'ont pas. Et donc, c'est vraiment un gel qui a ce double effet. Donc, j'ai le mien. J'ai pris aussi un pour les peaux sèches. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Dans la gamme Nutricentiel dont je vous parlais tout à l'heure, le masque visage hydratant que je connais pas, le Spaday. Donc c'est un masque hydratant très, très crémeux, mais il agit sur les rougeurs. Si vous avez une peau qui a tendance à faire des rougeurs, une peau un petit peu tirée, fatiguée, marquée, il va vraiment vous replumper, vous réhydrater, vous apaiser. Et à faire une fois ou deux dans la semaine, c'est vraiment pas mal. Donc un basique, voilà. N'oubliez pas que vous avez votre routine quotidienne qui doit quand même être assez complète. Nettoyage, ça c'est pour le matin, hein. Nettoyage, tonique, sérum, hydratant et SPF. Le soir, vous rajoutez évidemment une étape de démaquillage et puis des soins plus ciblés si vous avez besoin. Et une fois par semaine, vous faites un petit gommage et un petit masque. C'est pas mal ça les filles. Je le dis. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris deux autres produits dans cette gamme Nutricentiel parce que c'est le toner justement que j'utilise en ce moment. Donc j'ai la troisième bouteille dans ma salle de bain. Je l'aime beaucoup, c'est le In Balance. Les noms sont toujours un petit peu barbares hein, chez New Skin, mais vous allez vous y habituer. Donc c'est le pH Balance Toner, donc qui est un toner plein d'humectants, d'hydratants. Il y a du sodium PCA, il y a de la glycérine, il y a vraiment tout ce que la peau aime. Donc moi, après avoir nettoyé le visage, c'était une étape que je sautais, je l'ai intégrée depuis quand même, on va dire, 6 mois. J'en voyais pas l'utilité avant et en fait, quand vous avez trouvé le bon produit, vous comprenez que c'est utile. C'est très utile après avoir nettoyé. Ça vous permet d'éliminer le calcaire, ça vous permet aussi de préparer votre peau
à recevoir les soins qui vont suivre. Donc très très important. Puis celui-là, il a une texture très liquide. J'en mets quelques gouttes dans la main, je tapote. Donc avec ça, j'en ai quand même pour longtemps. Et ensuite, je fais mon sérum avec le boost et ma crème. Voilà. Je vous donne des petits conseils au passage, mais vous faites bien comme bon vous semble. Dernier produit que j'ai pris, donc dans la gamme Époque, c'est une crème pied. C'est la seule solution. Écoutez, à force d'avoir entendu les bienfaits de cette crème, je me suis dit, il faut que je la prenne. Donc si vous avez des pieds avec des gerçures, des crevasses, des pieds secs, des talons fendillés, a priori, ce baume, cette crème est magique. Donc j'ai très hâte de la tester. La gamme Époque chez Nu Skin, c'est aussi une très belle marque. Donc c'est une crème réparatrice pour les pieds. Rien ne vous empêche aussi de l'utiliser en crème main. Si avec le froid qu'il fait, vous avez les mains hyper abîmées, elle saura vous les réparer aussi. Voilà, je pense que je vais faire quelques petits cadeaux dans ma sélection, mais je ne dis pas plus dans cette vidéo. Si vous manquez d'idées cadeaux, si vous avez besoin que je vous conseille pour les produits Nu Skin, n'hésitez pas, je serai ravie, j'adore vous conseiller de toute façon. Et puis je vous mets évidemment le lien vers ma boutique en ligne si vous connaissez pas tous ces produits là. Voilà, c'était alors je vais pas dire mes petits achats parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, donc mon petit craquage, mon gros craquage Black Friday Magic Days. Dites-moi ce que vous avez acheté pendant ces périodes de promotion. Maintenant, il me reste à me concentrer sur les cadeaux de Noël. Je vous embrasse bien fort, les filles et les garçons. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao !